Have. En anglais, have peut être deux choses, un verbe ou un auxiliaire. Lorsque have est employé comme verbe, il peut exprimer deux notions différentes, la notion de possession et la notion d'action. Utilise have, have got pour parler de ta famille. I have got one brother. Et de tes animaux. I have got two cats. Utilise have got pour te décrire physiquement. I have got blonde hair and brown eyes. Utilise have got pour parler d'objets que tu possèdes. I have got a smartphone. Les Britanniques disent I have got. Les Américains disent I have. Utilise have sans got pour certaines actions. Exemple, I have breakfast at 7 a.m. I have a shower every morning. Voici les formes de have au present simple en anglais britannique. Voici les formes de have au present simple en anglais américain. À l'oral, on utilise des contractions. I've got. He's got. I don't have. He doesn't have. Lorsque have est utilisé comme auxiliaire, il vient aider le verbe dans sa construction. On trouve l'auxiliaire have dans le present perfect. Have plus participe passé. Ce temps permet de faire un lien entre le passé et le présent.